Hey, salut à tous, salut à toutes, c'est DR436 pour la suite du Let's Play sur Banished, épisode numéro 9. Je survis pour l'instant, il y a même des enfants en nombre, bientôt une petite trentaine, 105 adultes. Je me suis tiré des incendies, et maintenant, il y a la grippe. Là, on s'était laissé sur ça au dernier épisode, il y a lui, Flossom, de son nom, qui est âgé de 39 ans et qui est en fait une femme et qui est mineuse. Donc elle va aller là avec sa petite grippe, là où il y a tout la plus grande concentration de travailleurs. J'ai un peu peur parce que finalement j'étais en train de surmonter le problème du fer là. Il n'y a plus que 10 personnes qui manquent d'outils. Bon, le bois, je vous l'accorde, c'est pas nickel. On est au début d'hiver, enfin même pas, on est à la fin de l'automne, il fait moins 3 degrés. J'ai pas de réserve de chauffage et quasiment pas de bois. J'ai demandé à un en couper là, et puis là j'avais une raffinerie qui me faisait du combustible amélioré à partir du bois de chauffage, donc j'ai stoppé ça. Et puis on va voir ce que ça donne maintenant, j'ai bien peur. J'ai bien peur. Oui, par rapport au bois et les temps de trajet, je suis d'accord, il y a moyen d'optimiser peut-être un petit peu tout ça. Là je vais laisser les travailleurs, c'est ce qui me bloque un petit peu pour l'école. Attendez, pendant que je pars, on va mettre en vitesse x2 ou x5 même. Parce que ça va rallonger le temps de mise sur le marché des enfants, hein, si j'ai bien compris. Et puis mes travailleurs, ça va mettre du temps à arriver, j'en ai besoin, vraiment cruellement besoin. Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul qui est malade. J'imagine, j'ai jamais eu ça, mais qu'il y en aura, voilà, il y en a deux. Voilà, ils sont proches les uns des autres, j'imagine que c'est comme ça que ça se transmet. Est-ce que la mortalité est forte? À l'époque, oui. Il faut savoir que par exemple pendant l'épisode de grippe espagnole, juste après la première guerre mondiale, il y a eu plus de morts en 1919 dues à cette grippe que l'ensemble de la guerre. Donc voilà, on est déjà à 3, donc j'ai un petit peu peur. Ça veut pas dire qu'ils vont tous mourir, mais s'il y a ne serait-ce que 30% de mortalité, ça pourrait faire mal, hein, bien une trentaine de morts, c'est-à-dire il me faudrait un deuxième cimetière assez rapidement. x6, je vois pas encore des gens malades, mais ça va être exponentiel. Techniquement, si c'est réaliste, ce serait plutôt les vieux et les jeunes qui meurent. Voilà, 28 enfants. Ah non, c'est parce qu'ils sont devenus travailleurs, c'est pas parce qu'ils sont morts. Quantité de fer très faible, je me maintiens. Voilà, ça commence à faire froid en plus. Ça va aider pour la grippe. Génial, bienvenue à Big Force. On croit en vous, les Ingalls. On y va. 14 malades. Adulte, il y a des bassines. Voilà, je suis en train de couper du bois là dans une petite portion ici. On va laisser un nombre de travailleurs relativement élevé, sauf dans les endroits où j'ai besoin de monde. Mais là, pour l'instant, à la nourriture, j'en suis où? Cueilleur, je peux plus mettre personne. Chasseur, 16 sur 16. Pêcheur, là, je peux améliorer les choses. Éventuellement, pêcheur tout court, ouais. On va mettre 3. C'est bon pour la nourriture. Quantité de nourriture très faible, d'accord. Raison de plus pour maximiser là-dedans. Je vois toujours pas de mort. Pourtant, l'hiver avance. Si on doit mourir de la grippe, dans la vraie vie, on en meurt dans la semaine ou les deux semaines. Hein. Je vois toujours pas spécialement de baisse. 26. C'est l'explosion. Il fait toujours froid. Ouais, ça s'étend pas, les gens qui ont froid en tout cas. Enfin, pas trop, il me semble. Je sais pas ce que je peux faire de plus. J'attends de voir un petit peu quel sens ça va prendre. J'ai 5 travailleurs, 2 bâtisseurs. Ok. Est-ce que je pourrais prévoir. Bon, si j'ai une mortalité relativement élevée. Ah, c'est déjà en train de redescendre. Excellent. Bon. C'est la fin de l'hiver. Et la fin de l'épidémie, gentiment, non, ça se maintient à 30. Ça avait l'air de descendre. En tout cas, ça réexplose pas. Je me demandais au début si comment je ferais pour l'isoler, mais il n'y a aucun moyen, quoi. À part, je me disais, construire quelque chose, un artisanat particulier un peu loin de tout. Mais bon, le temps que je construise, je pense que c'était foutu déjà. Et puis, de toute manière, il doit rentrer le soir pour dormir, j'aurais dû construire une maison, bref, ça prend trop de temps, quoi. Je sais pas si vous avez une technique, mais pour l'instant, si j'en crois ce qui se passe ici et mes messages, il n'y a pas eu de mort, même si l'épidémie peine à se résoudre. Encore une fois, c'est pas extrêmement réaliste, au niveau de la durée, mais surtout pour une population de 100 personnes. Bon, ça a l'air de tenir. Ouais. Si je surmonte tout ça... Je crois que je vais peut-être même me faire l'école, là.
quantité de fer faible. Ouais. Ah bah les outils, c'est bientôt réglé le problème. Il y en a même en stock là. Ça c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ok, il y a quand même moins de gens malades. Bon, allez, je me lance de l'école. Scolarité, oui, c'est ça. Alors, l'école, on va la faire où? En milieu, il n'y a pas la place. Attendez, pour pivoter, oui, cet été. Est-ce que je la fais là? Allez, on va la faire là. Ah, je peux pas, il y a le puits. À côté du puits, voilà. Non, je peux toujours pas. Ah, là, il y a une construction, j'avais pas vu. Ah, mais il y a deux écoles, mais quel imbécile. Pour détruire, c'était déjà comment? Voilà. Bon, du coup, elle est décalée. Tant pis, c'est pas grave. Ils ont toujours froid. Bon, il fait quand même 13 degrés. Le bois de chauffage, ça monte. 6 travailleurs. Je vais leur dire de défricher un petit peu par là. Ça fera du bois pour l'hiver prochain. Avec la raffinerie qui est en pause, ça devrait jouer. Est-ce que là, j'ai du bois dur qui est produit? Parce que normalement, j'ai un forestier. Voilà. Ah, mais ça n'a pas poussé vraiment beaucoup. Bois brut, mais en dur. Pourquoi c'est pas écrit bois dur? J'aimerais bien pour le menuisier. Mais j'ose pas trop toucher au stock de bois. Le menuisier, je l'avais mis où? Est-ce que je l'ai même construit? Ah, normalement, c'est quelqu'un que j'ai mis en pause. Donc, c'est pas la verrerie. C'est la menuiserie. Des meubles en bois brut ou en bois dur. On va essayer de faire comme ça. Je vais l'activer et mettre quelqu'un, voir si ça marche. Ah, il consomme du bois brut. Je croyais qu'il était identifié différemment. Attendez, bois. Je le mets par nom. Bois de chauffage. Ah ouais, du bois tout court, j'en ai bois brut, voilà. Ah, il n'y a pas du bois dur en tant que tel. Bon. À voir. Ah, c'était ici. Si je vois que j'ai pas une bonne réserve de bois de chauffage, eh ben, je changerai ça. Ok, 5 travailleurs. 2 bâtisseurs. C'est en train de progresser ici. Ah oui, la grippe. Plus que 3 qui sont malades. Pas eu beaucoup d'incidence. Hein. Peut-être qu'il y a des épidémies plus ou moins fortes. On se met en x10. Alors... les outils, c'est toujours pas ça, hein. Mais le fer, là, j'en ai en quantité suffisante. Forgeron, 2 sur 2. Ok. Bon, ça va. Les enfants naissent. Un travailleur en plus. Ah, mais ce bois, mais quel... Pourtant, là, j'ai plus de travailleurs. Et puis, ici... j'ai dans le marché rustique, si je mets quelqu'un en plus là, est-ce que ça va aider au transport? On va voir. Ah, il y a des gens qui sont morts. Il y a un bloc de roche qui est tombé sur Véronald. Il était tailleur de pierre. Et maintenant, il y a The Lisson qui le remplace. Toujours 5 travailleurs, 24 enfants. En attente de l'école. 30 sur 32 tombes. Il faudra que je fasse bientôt un nouveau cimetière. Je pense que ça impacte en fait sur le moral moyen des habitants si on a un cimetière plein et qu'on peut pas... Oula, je cause, mais je pense qu'il faudrait que... Bon, c'est la fin de l'été. Mais niveau bouffe... c'est pas la joie. Je pense que je vais faire des cueilleurs en plus. C'est quand même pas mal de nourriture. Là, on va faire un... Là, au milieu des bois, il y a un forestier. Des cueilleurs en plus. Et puis, je pense que je vais faire aussi un chasseur. Parce que l'apport en cuir, il est pas très très bon là, j'ai pas de manteau. 6, on va mettre un bâtisseur en plus. Voilà. Allez, encore un, on va essayer de pas descendre en dessous de 4 travailleurs. Pour essayer d'améliorer, pour éviter que ce soit le bûcheron qui aille chercher le bois mais qu'on lui l'amène. En espérant que ça permette d'améliorer tout ça. Et la hutte de forestier. Voilà. Produit 100 bois par année, cette hutte-là. Bon, faut dire que là, j'ai un petit peu rogné pour une question de bénéfice rapide.
sur la forêt. Peut-être pas un bon investissement. Là, je pourrais faire un autre forestier au pire. Je pourrais en faire un, j'ai 8 travailleurs. On va le faire. Forestier de bois dur, des nouveaux arbres. Ouais, non, on va faire du bois standard. On verra pour l'artisanat plus raffiné plus tard. Surtout que j'en ai déjà un. Ok. C'est dingue, hein. J'arrive pas avec le bois. Ouh, il y a 10 travailleurs, ça c'est bon. Bah, je vais me permettre de leur dire de défricher plus. Genre tout là. Hop. Nourriture, il y a les récoltes qui se font. On va profiter pour planter des trucs et des machins. Alors, 2 sur 7, non. On va pas faire comme ça, on va aller dans cette direction. On va même faire ici comme ça, ça forcera à d'être friché. Alors 10, 8, 10, voilà. Et un troisième. Non. Voilà. Ok, ah, il y a un manque d'outils encore. Tant j'en ai en stock, bizarrement. La nourriture, ouais, c'est un peu moyen pour un début d'hiver. Il y a pas mal de choses à construire. Peut-être que je devrais me mettre 6 bâtisseurs. Vous voyez que ça augmente hein, le besoin en bâtisseurs en fonction du nombre de constructions qu'on lance. Donc la cabane de chasse qui n'est même pas entamée. Et puis l'abri des cueilleurs. Faut dire qu'il y a une trotte hein, jusque là. Ok, ça avance bien. Pas de nouvelles catastrophes. Quantité en fer faible, ouais. Ah bah oui, ça c'est toutes les constructions que je fais là, ça bouffe du fer, forcément. Les gens ont froid. Voilà. 23 enfants. Et, ah oui, tiens. Je suis en train de causer et puis je regarde même pas où j'avance. Oui, l'école. Pas d'étudiants pour l'instant. Faut dire que j'ai pas mis de prof. Allez, première école de Big Fox à la fin de l'hiver de l'année 25. Moi, j'ai envie d'y croire. Hein. Franchement, j'ai eu des commentaires qui n'y croyaient plus. Je vais vous redonner goût à l'espoir avec des betteraves. Et là, je peux pas encore. Il faut défricher. 22 enfants, 118 adultes. 118 adultes. Belle liaison, mon gars. Alors, le nomade, ok, ok. Les graphiques, ça faisait un moment que je regardais pas. La nourriture sur 10 ans, bah, on est en train de... Voilà, on stagne vers le fond, mais ça va. La population, elle remonte. La nourriture, ça on l'a vu mince. Le bois brut, ah, la tendance est bonne. La pierre, ça se casse un peu la gueule. Le fer, bah ouais, on dirait que ça se maintient. On n'est pas dans une tendance trop baissière. Le charbon, ah j'ai plein de charbon. Ah, pour la raffinerie. Ça, je pourrais l'utiliser pour la raffinerie. Pour le combustible amélioré, puis le combustible amélioré, je m'en servirai pour je sais plus quoi. Mais c'est utile. J'ai oublié. Ok, bon, moi ça me plaît. Il faudrait que je fasse mieux pour la bouffe. Mais c'est pour ça qu'on fait des champs. Histoire de passer les hivers un peu plus tranquilles. Et puis, chasseur et cueilleur, deux petits hotspots là. Ça marche. Plus que 4 travailleurs disponibles. Quantité de réserve d'outils faible. En même temps, c'est mieux qu'avant. Ah oui, la menuiserie. Est-ce que j'ai produit des meubles raffinés? Ce qu'on va faire, ça, on va voir par... oui, mince. Par non, pardon. Donc, meubles. Des meubles. J'en ai pas. Pas des meubles raffinés, en tout cas. Mince. Peut-être qu'il en produit pas, en fait, mon menuisier. Parce qu'il n'a pas les matériaux. Il n'y a pas de bois dur. Et pourquoi il n'y a pas de bois dur? Ça, je sais pas. Les arbres sont peut-être pas arrivés à maturité. Bois brut, bois brut. Effectivement. Bon, on va pas se mettre à construire des meubles. Ah, quoique ça monte bien maintenant la quantité de combustible stocké. Bah voilà.
Il y a des étudiants. Excellent. Mais vous voyez, les travailleurs, ils n'arrivent plus parce qu'ils vont à l'école avant. C'est le prix à payer pour avoir des Big Forciens éduqués. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va stopper ici pour l'instant. Ça sert pas. Et puis il va redevenir un simple travailleur en attendant qu'on aille du bon bois dur. Qu'est-ce qu'il a juste à tout hasard? Graines d'abricotier. Oh là là, 3000. Mais qu'est-ce que j'ai en grande quantité, moi? Non, c'est pas là que je dois regarder, c'est dans mon inventaire. Qui se trouve là où j'ai tout. Qu'est-ce que j'ai en plus grande quantité que je pourrais échanger? La cire d'abeille. Je pourrais mettre 1000 de cire d'abeille là-bas. Ah bah, il est parti de toute manière, mais la cire d'abeille, hop. On se met 1000. Voilà, et puis, pour l'instant, ils sont pas dedans, mais les travailleurs... je pense que c'est eux, d'ailleurs, vont aller chercher la cire d'abeille dans mon entrepôt central et puis le ramener à l'inventaire. Et ainsi de suite, et ils maintiendront tout le temps le chiffre que je leur ai dit de maintenir. Ok. Alors là, ça fonctionne à fond, le bois de chauffage, là, c'est plus un problème. Par contre, les outils, et puis le fer... Ah oui, on parlait d'avoir une nouvelle mine de fer. Ah oh, mais pourquoi il y en a 9 sur 16? Ah non, il y en a 16, c'est le total sur les mines. Mais... Ah oui, ils se répartissent en fonction... Je vais en mettre moins ici, pour la pierre. Donc là, il y en a 9 sur 12, et là, 9 sur 16. Si j'en mets un en plus... Pourquoi il vient pas là? Est-ce que j'ai d'autres mines? Parce que j'aimerais bien avoir plus. Ouais, si j'augmente le ratio comme ça. Voilà. Ça fait beaucoup quand même. Voilà, là il y en a 12 et je devrais avoir plus de fer. Je sais pas pourquoi il y en a si peu tout à coup. Allez, faut que je serre les fesses. Vous me passerez l'expression, n'est-ce pas? Parce que je. Histoire d'attendre pour avoir des travailleurs, mais s'ils sont éduqués, la production sera d'autant meilleure. Donc là, on va essayer d'optimiser cette histoire. En attendant, c'est de nouveau un peu la dèche avec les outils. Et puis la forge, bah, elle fonctionne pas parce qu'elle a pas. C'était ça le prix de fer. Et puis là, on va attribuer quelqu'un en plus parce que la nourriture, ouais, ça remonte bien. Remarquez, ça remonte bien. Enfin bref. C'est un pari sur l'avenir. Ouais, puis c'est toutes ces constructions que j'ai fait aussi, là, ça consomme toujours un petit peu de fer. Là, c'est que de la pierre en l'occurrence, là aussi. Mais, sinon, le prochain endroit où je pourrais faire... Ah, mais elle est là, cette mine. C'est pour ça que je comprenais pas. J'avais oublié, complètement oublié que j'avais fait une mine. Bon, bah, quand c'est comme ça... Ouh, il n'y a plus qu'un seul travailleur. On va baisser le nombre de bâtisseurs à 3. Eh ben, on va leur dire de récolter du fer et seulement du fer. Là, il n'y a rien. Est-ce que là, il y a quelque chose? Là, il y a un tout petit peu. Là, il n'y a plus rien. Ouh, là, il y a beaucoup. Et vous allez, les gars, me prendre tout ça en priorité. Voilà, ça devrait me ramener un petit pacte l'enfer. On a toujours vitesse x10. La verrerie, bah, y a personne dedans parce que j'ai pas de sable. Donc pour l'instant, on attend. J'ai pas envie d'investir des travailleurs dans la production de sable. Là, je suis en train de consolider en fait un peu la nourriture. Bah, je pensais avoir réglé le problème du bois de chauffage, mais voilà, ça a été bouffé pendant tout l'hiver. Mais moi, je me suis pas retrouvé à sec et personne n'a eu froid. Donc c'est plutôt bien. Le bois, j'en ai vraiment pas beaucoup. Et puis je pourrais mettre des travailleurs plus chez les forestiers. Et j'ai pas assez de travailleurs parce qu'ils sont à l'école. Enfin, en tout cas, ceux qui devaient arriver, donc ça m'en fait 13. Hein. Je sais pas combien de temps ça dure pour l'école. Allez, on y croit. 27e printemps sur Big Forks. Ouh là là, on va mettre un travailleur en moins. Un bâtisseur en moins, comme ça j'ai au moins 2 travailleurs. Oh, j'ai plus que 2 travailleurs, bah, ça va pas monter rapidement les stocks de fer. Les outils, il y en a 30 qui en réclament, mais je pense que une fois que ça sera mis sur pied, là, ça ira beaucoup mieux. Quand je dis mis sur pied, c'est-à-dire quand les travailleurs sortiront de l'école, ça sera des super Big Forksiens.
D'ailleurs, si on regarde, je crois qu'il y a l'éducation. Les vêtements. Ah ouais, c'est pas terrible. Mais l'éducation, voilà, c'est où? Instruit 0%. Ouais, bah voilà. Au tout début, il y en a toujours un peu d'instruit, mais là, j'ai plus personne, quoi. 29 sur 32 tombes, ça va, ça se maintient. Ok. Comme la nourriture remonte un peu. C'est un petit peu contradictoire par rapport à avant. Non, pas les chasseurs, les cueilleurs. Je vais en mettre peut-être 2 ou 3 en moins. Et investir un dans les forestiers. Et. Ah, je peux pas le. Ah, bah oui, je vais le laisser comme ça. Ça reste un travailleur. Ok. Mince, j'ai fait disparaître les messages. Ok. 109 adultes. 16 enfants. Le taux d'enfants est bien descendu. Je vais. J'allais dire une baraque en bois, mais j'ai. Pff, oh là là. En pierre, ça me coûte combien? Il y a quand même 24 bois. 16. Voilà, allez. Petite maison de base. Histoire de booster la natalité. Enfin, booster. En tout cas, l'augmenter ou la soutenir. Ok. Vitesse x10. Tout progresse gentiment, mais j'ai de la peine. Hein. Franchement, cette histoire de grand incendie, là, ça m'a fait mal. Très, très mal. Bon, fin de l'été, les moissons vont arriver, tout est bien, les champs sont au taquet. Bon, déjà en train de récolter d'ailleurs le sorgho. Là, ça repousse. Est-ce que j'ai du bois dur qui est récolté ici? Voilà, enfin. Donc je vais pouvoir relancer le menuisier, mais j'ai pas beaucoup de travailleurs. Ah oh là là, j'ai envie de fermer cette école presque. Vous remarquez, quand on sera à 20 étudiants, il n'y aura plus de place. Bon, je sais pas si ça marche comme ça, on verra. Enfin, j'ai déjà dans une partie 2 ou 3 écoles. Ça se passait pas trop mal. J'ai eu moins de problèmes qu'avec ce let's play. Très nettement moins. Bon. Étudiants. 109 adultes. Voilà, l'école, elle doit être pleine à ras-bord. Non, pas encore. Travailleurs, allez, je vais me lancer dans la construction de bois dur. C'est un investissement pour le pour l'échange en fait. Mince, pourtant j'ai mis quelqu'un. Voilà, ah, mais du coup, j'ai plus du tout de travailleurs. Est-ce qu'on lui a amené son bois dur? Ça devrait pas tarder. Ah, niveau outil, je suis à x40. Oh là là, mais au moins j'ai un plus de fer là, je suis à 22. Okay. Les outils, ça devrait remonter, hein, parce que ah, il y a un marchand au comptoir de commerce. Checker ce qu'il a à nous offrir, parce que normalement j'ai un peu de cire d'abeille. La cire d'abeille, c'est un, enfin voilà, c'est un. Des choux, du sucre. Oh, ça me dit pas trop tout ça. J'ai assez de bouffe, moi des graines, j'aurais bien voulu. Ok, 39 à avoir besoin d'outils, on a enrayé le. Ah, des gens ont froid, pourtant il y a plein de bois de chauffage. Alors, c'est le menuisier. Oui, menuisier, il faut que. Voilà, il est en trop. Ah merde, excusez-moi. J'ai fermé. Le résumé des métiers. Ok, 3 travailleurs, un seul bâtisseur. Bon, j'ai pas besoin de beaucoup de bâtisseurs, là je crois qu'il n'y a pas grand chose qui se construit d'ailleurs. C'est déjà quoi ça? Cabane du rivage, ça produit... Ah oui, du sable. Donc j'aurai ce qu'il faut pour débuter la production de verre. 110 adultes, 18 étudiants, 15 enfants. Travailleurs, voilà, il y en a qui commencent à sortir de l'école. Ou alors ils peuvent pas y rentrer, c'est selon. Non, il y a 18 étudiants, il n'y a pas de raison. Un forestier est mort, il est remplacé. Ah, je pourrais augmenter aussi le nombre de forestiers, hein, pour mon problème chronique de bois. Allez, hop. Un en plus. Alors, ok.
Ok. Bah écoutez, je crois qu'on va se laisser là en fait pour cet épisode. Là, il va y avoir de nouveau une phase de croissance un peu longue. Si ça vous saoule un petit peu de voir ça, bah je l'accélère ou je fais des ellipses. Laissez-moi juste votre avis si vous avez envie que ça change. Sinon, bah je continue à faire à peu près comme ça. Voilà, je crois que je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ça sera donc l'épisode de dimanche. Cette semaine, j'arrive à l'assurer, mais il faut dire que je l'enregistre un peu en avance. C'est-à-dire qu'on est jeudi au moment où je le fais. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, soirée ou nuit. C'était DRK36 sur Banished. À très bientôt. Ciao !